ça, moi, les bidons, là. Vous vous trouvez en Louisiane, aux États-Unis, pour couvrir la marée noire. Moi, non, je ne couvre rien, Bellata. Allez, prends un bidon et viens me rejoindre. Non, Célestin, je ne trempe pas dans ces combines. En quoi? Tu as oublié l'expression, hein? En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, alors? Ben moi, j'ai eu l'idée de venir chercher du pétrole. Célestin, 800 000 litres de pétrole s'échappent chaque jour dans l'eau. Ouais, d'ailleurs, tu sais, dans l'océan, la vie a changé. Hein? Les poissons se déplacent en scooter des mers. Ouais. Les secours ont envoyé 6 robots sous-marins pour fermer une vanne de sécurité pesant 450 tonnes. Ça, c'est peine perdue, Bellatar. Autant essayer de déplacer Valérie D'Amido. Bon. Célestin, ouais. Qu'est-ce que les États-Unis vont faire de ce pétrole? Ils vont le pomper? Non, ils vont le bomber. Comment ça, bomber? Ouais, enfin, bombarder, quoi. Tous les pays qui ont du pétrole pour récupérer celui qu'ils perdent, là. La société BP est à l'origine de cet accident. C'est leur plateforme qui a explosé. Ouais, tu sais, ici, les gens ont rebaptisé BP. Ah bon? Ouais, BP égale bande de pollueurs. On peut le comprendre, Célestin, c'est la plus grande marée noire de tous les temps. Ouais, tu sais, c'est la plus grande marée noire aux États-Unis. Parce qu'en France, la plus grande marée noire, c'est quand même les immigrés sénégalais, hein? Non, 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 non! Au revoir, quoi, ça? Oh non, Bellatar, attends! Bon, allez, dépêchez-vous, là, vous avez fini? Faites vite, là, comment? Allez. Hein?